Je m'appelle Jordan, j'ai 30 ans, j'ai rejoint l'entreprise de Boiset en mai 2023 en tant que régleur sur machine-outil à commande numérique. Avant cela, j'ai passé une dizaine d'années dans une entreprise qui était plus axée sur de la grosse production. Une journée type, moi je vais être en charge des réglages sur un centre horizontal 4 axes. Donc à partir d'un plan et d'un brut, on va devoir identifier les différentes phases d'usinage. Ensuite, il y aura la partie élaboration du programme, préparation des outils de coupe et création d'un outillage si nécessaire. Ensuite, je vais contrôler la pièce. Celle-ci va passer par le service ajustage et ensuite elle ira dans le service contrôle afin d'assurer la conformité. Au niveau des avantages, justement, on va avoir une progression qui est assez rapide du fait des pièces unitaires ou de la petite série. Du coup, on va être souvent confronté au réglage. On va avoir aussi des journées qui ne sont pas répétitives, justement liées au fait qu'on est souvent en train de régler parce qu'on ne fait pas de grosses productions. Au niveau des difficultés, justement, ça va être lié au fait qu'on est souvent en train de régler. Du coup, on va être souvent exposé à différents problèmes pour les processus de réalisation. Ce qui me motive à me lever le matin, justement, c'est le challenge de réaliser des pièces qui allient précision et complexité et de ne pas avoir de journée répétitive. Pour définir de Boiset en trois mots, précision, innovation et challenge. Je suis fier de travailler chez de Boiset car je participe à l'évolution de différents secteurs d'activité qui, eux, vont contribuer à l'évolution du monde de demain. Donc, ce que j'aimerais dire aux nouvelles recrues susceptibles de rejoindre de Boiset, c'est qu'il faut vraiment aimer le challenge et que de par la diversité et la complexité des pièces, on peut vraiment s'épanouir en matière d'usinage.